Rock en folie. Discover new rock horizons. La radio découverte. Hello chers auditeurs de Rock en folie, c'est l'heure du Projeti Rock. Je suis JR et pendant un petit quart d'heure, je vais vous présenter un groupe de la scène française. Aujourd'hui, c'est en Haute-Savoie que je vous emmène, au Grand Bornand plus précisément, pour découvrir un groupe qui fait secouer les cheveux. Voici Triglotte, et on commence tout de suite avec un premier titre, voici Gaia's Revenge. Soyez curieux. Rockin' Foley, Independent Rock Radio. Ah bah pour ceux qui n'étaient pas prêts, faut se relever maintenant. Hein. On reste pas assis sur une chaise quand un morceau de Triglotte fait trembler vos enceintes. L'aventure de Triglotte commence en 2010 sur l'initiative de Sébastien et Alexandre, respectivement guitariste et batteur. Ils sont vite rejoints par Julien, le bassiste, et à eux trois, ils explorent différents styles afin de trouver leur son.
avec l'arrivée de Nicolas au chant et de Florent à la guitare. Comme ils le disent eux-mêmes, le groupe a pris une direction musicale plus complexe. Effectivement, difficile de classer les Triglottes qui incorporent autant du death que du grind, du hardcore, du sludge ou du stoner. Une voix qui s'est jouée dans plusieurs registres, crawl, guttural, grunts ou flow hardcore. Pour résumer, Triglottes c'est uppercut, crochet du droit et direct dans la face. Oui, Triglottes vous enverra KO. Par leur groove et leur riff lourd et percutant, ne vous laisseront pas insensibles et devraient en mettre plus d'un d'accord, pour peu que vous aimiez vous faire percuter par un 35 tonnes. Pour ce qui est de leur discographie, en 13 ans d'existence, eh bien ils n'ont rien sorti. Outre des featuring ou des covers, ils ont quand même pas mal de compos de prêtes, mais n'ont jamais eu le temps de les enregistrer. Enfin, pas eu le temps. À un moment, ils ont pris le temps, mais comme c'est encore tout frais, eh bien on va en parler dans la partie actu, juste après cet extrait. C'est un extrait de Out of the Grave. Alors l'actu principale, c'est bien sûr la sortie de leur premier EP. Comme je le disais juste avant cet extrait, on a là des morceaux explosifs qui ne souffrent d'aucun défaut. En tout cas, personnellement, je trouve cet EP vraiment excellent. Vous pouvez les retrouver sur leur Bandcamp et sur toutes les plateformes de streaming classiques. Côté concert, après avoir joué à Marcellaz la semaine dernière, ils joueront à Genève le 12 avril à Urgent Disc Records. D'autres dates pourraient venir s'ajouter, donc n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas les rater. Et pour voir un peu plus loin, le groupe a encore pas mal de compos en stock, mais il privilégie la scène avant de pouvoir attaquer de nouveaux enregistrements. Je vous mets un second extrait, voici Floridian Swamp. Un groupe qui déboîte les nuques et qui nous en met plein les esgourdes. Moi, je me suis vraiment régalé à écouter cette EP et j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à les découvrir. Vous pouvez les retrouver sur Facebook, bien sûr. Leur identifiant est Triglott 666, T-R-I-G-L-O-T-H 666, tout attaché. Ils sont également sur Instagram. Il vous suffit de taper tout simplement Triglott et normalement, ça devrait être la première proposition à sélectionner. Ils possèdent également un site internet où vous pourrez retrouver des infos, leur bio et une boutique qui sera bientôt disponible. Leur adresse est www.triglott.com, tout simplement. Je rappelle que Projet T-Rock, c'est tous les jeudis à 19h sur Rock en Folie, mais c'est aussi une chaîne YouTube où j'ai déjà présenté plus de 400 groupes, du rock, du métal, du punk, il y en a pour tous les goûts et vous y trouverez forcément quelques pépites. Donc si vous aimez découvrir ce qui se fait sur la scène française et francophone, bien n'hésitez pas à vous y abonner. Il va être l'heure de se quitter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
à la même heure. En attendant, je vous laisse avec un dernier morceau. Voici Satanic V8 Motor Engine. Passez un bon week-end. Ciao. Satanic V8 Motor Engine.